Quelle est la tribu la plus fidèle au Cameroun? Les Bandjoun. Les Bandjoun. Et pourquoi les Bandjoun et toi? La tribu des Bamileke, pour moi. Beaucoup de personnes disent que les Bamileke sont sournois, ils le font dans l'obscurité. Pourtant, les autres mettent seulement aux yeux du monde ce qu'ils font. Donc, en réalité, ce ne sont pas seulement les Bamileke qui sont fidèles. Pour moi, ce n'est pas question de tribu, c'est une question de mentalité. Salut les amis, alors bienvenue sur Ago Jeune. Aujourd'hui nous sommes à l'université de Douala. Nous avons rencontré les étudiants pour savoir quelle était la tribu la plus fidèle au Cameroun. C'est vrai que ça fait un moment que nous n'avons pu faire d'intro sur notre chaîne, mais aujourd'hui je fais cette intro parce que c'est un internaute qui m'a proposé ce sujet en commentaire. Et vous aussi, vous pouvez proposer le sujet que nous allons poser aux gens en route et qu'ils vont donner leur avis là-dessus. Et je peux vous assurer, les réponses ont été de ouf et puis... Moi, je me suis éclaté au cours du tournage. J'espère que vous aussi, vous allez vous éclater. Alors surtout, suivez-moi sur mon compte Instagram Frankie Donald, TikTok et Facebook, sur la page Rago Camer. Enchanté Ingrid. Plaisir partagé. Moi, c'est Sabine. Moi, c'est Jarvis. Moi, c'est Onel. Daniela. Elia. Oui, moi, c'est Vanel. Enchanté Vanel. Merci. Alors, si nous t'accostons, c'est déjà par rapport à notre chaîne YouTube. Déjà, tu es de quelle région? Moi, je suis de la région de l'Ouest. Plus précisément. Département de la Maine-Noire de l'Ouest Champenois. Est-ce que tu peux dire bonjour en ta langue maternelle? Ouzé. Très bien. Ouzé, c'est... Je dis bonjour en tchang. Bonjour en tchang. Mm-hmm. Ok, merci. Merci. Alors, si nous t'accostons, c'est pour savoir, et nos internautes, selon toi, quelle est la tribu au Cameroun la plus fidèle? La tribu la plus fidèle, c'est la tribu de chez moi. Je prends l'exemple de mon père, par exemple. C'est vrai que tout homme a sa part d'infidélité et tout, mais lui particulièrement, je ne l'ai jamais vu. Ou alors ramener une femme à la maison et tout ce qui va avec. Donc, pour moi, je dirais les plus fidèles, ce sont les tchans. D'accord. En termes d'hommes. Et maintenant, en termes de femmes. J'ai bien sûr. Parce que moi, je suis fidèle. Ah. D'accord. Donc, tu es en couple, alors? Ouais, ouais. De quelle région, quand même? Littoral. Littoral, plus précisément, voilà. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on dit bonjour en Douala? Pas, j'ai pas. Eh, cherche ça, c'est dans la tête. Non, j'ai oublié. Quelle, selon toi, quelle est la tribu la plus fidèle au Cameroun? Bon, première question. Il y a d'abord la fidélité au Cameroun. C'est d'abord ce qu'il faut savoir. Parce que, hein? Détaille-nous. Bon, je vais dire ça. Bon, je suis pas sûr que je me connais pas très. Après tout. Puis, bon, je vais pas dire un enfant parce que vraiment ça serait un peu trop dit. À l'université, on n'est plus enfant. Mm-hmm. On n'est plus vraiment enfant. Mais je vais dire ça pourquoi? Parce que, bon, selon moi, il n'y a pas vraiment de tribu qu'on peut qualifier de fidèle au Cameroun, qu'on peut qualifier. Mais on peut dire que elles sont en quelque sorte, entre guillemets, loyales. Oui. En quelque sorte. Oui. Comment les tribus fidèles? Même les Nordistes, ils ne sont pas fidèles. Pas. Au Grand Nord, ils ne sont pas fidèles. Sur les Nordistes. Même si chez eux, on dit que c'est épousé, on a le droit de épouser 8 femmes. Il n'y a pas de problème. Même si vous épousez 8 femmes, ils vont encore tromper les 8 femmes. Après une autre personne dehors. Donc ça ne sert à rien en fait. Donc en réalité, selon toi, personne n'est fidèle au Cameroun. Il y a quelques rares personnes qui sont fidèles. Quelques rares. Par exemple. Okay. Tu vas les lire dans ton cahier. Par exemple. Bon, par exemple, non. Bon, ok. Bon, je vais peut-être mettre... Peut-être, hein, peut-être.
nos frères, les Yabassi, ils peuvent être quelque chose comme fidèles. Tu es de quelle région au Cameroun, ça? Je suis la région de l'Ouest. De l'Ouest, plus précisément. Bafang. Bafang. Comment est-ce qu'on dit bonjour en Bafang? On dit Zélé. Zélé, pour les abonnés, voilà. Alors, si nous t'accostons, c'est pour savoir, selon toi, quelle est la tribu la plus fidèle au Cameroun? Les Bafang. Bafang, évidemment. Et pourquoi tu dis les Bafang, selon toi, qu'est-ce qui caractérise la fidélité? Ils sont respectueux, ils sont courtois, ils sont sympas, ils sont polis, ils sont super gentils. Que ce soit les hommes ou les femmes, c'est les Bafang. Oui, ils respectent. C'est pas parce que tu es Bafang qu'ils sont fidèles. Non, c'est pas Bafang. C'est pas parce que ton observation a confirmé que oui, les Bafang sont les plus fidèles. Oui. Je te remercie. Avec plaisir. Tu es de quelle région? Je suis de l'Est. De l'Est. Oui, Pygmé, précisément. D'accord. Comment est-ce qu'on dit bonjour dans ta langue? Omojum. Tu peux dire pour les abonnés? Omojum, Omojum. D'accord. Alors, si nous t'accostons, c'est par rapport à notre chaîne YouTube. Nous voulons savoir, et nos internautes aussi, selon toi. Oui. Ça, c'est selon toi. Oui, selon moi. Quelle est la tribu la plus fidèle au Cameroun? Pour moi, ce n'est pas question de tribu, c'est question de mentalité. De mentalité, oui. Parce qu'on va dire que les femmes bamileke sont ceci, mais pourtant, c'est la mentalité. Moi, on a tendance à caractériser les tribus en fonction de quelques personnes, en fait. Pour moi, ce n'est pas ça, c'est question de mentalité. Oui. Donc, selon toi, au Cameroun, dans toutes les tribus, on a des personnes fidèles, comme on a des personnes infidèles, mais tout dépend de la mentalité. Exactement. Je te remercie. Que moi... De quelle région? L'Ouest. De l'Ouest. Plus précisément? Banjoun. Orienté. Okay. Comment est-ce qu'on dit bonjour en Banjoun? Otia. Et comment est-ce qu'on dit bonjour en Banjoun? Osia. Ok. Alors, nous voulons savoir, et nos internautes aussi, selon vous, quelle est la tribu la plus fidèle au Cameroun? Les Banjoun. Les Banjoun. Et pourquoi les Banjoun? La tribu des Bamileke, pour moi, tous les Bamileke. Bamileke, tous les Bamileke sont fidèles. Et pourquoi? Bon, moi, c'est bon, c'est parce que... Bon, félicitations de m'accueillir parce que ici, Bamileke, au fait, j'aime la façon de faire, d'entreprendre les choses. Donc, pour toi, les Bamileke, les Banjoun, ce sont les plus fidèles. Oui, pour moi. Non, pas les hommes qui trompent les femmes là-bas. Bon, il y en a. Les femmes qui trompent les maris là-bas. Bon, si, il y en a, mais c'est cacheté. Oui, sont un peu. Bon, c'est 100%, on peut dire trop, 80. Bon, oui, ça se cache, pas que ça se voit, c'est pas visuel comme chez les Yaoundé, un peu comme ça. Voilà. Et toi, pourquoi tu penses que ce sont les Bamileke qui sont les plus fidèles? Les Bamileke en général? Non, parce que je connais un peu mes frères et mes soeurs de l'Ouest. Donc, chez nous, c'est pas pour dire que les autres tribus ne sont pas fidèles, mais. Le plus pour moi, ce sont les gens du Côte le plus sont les Bamileke, ce sont des personnes très loyales. Donc, du coup, envers leurs partenaires et envers ce qu'ils font. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent aussi que les Bamileke sont des cachotiers et c'est juste qu'ils font dans l'obscurité. Oui, beaucoup disent que les Bamileke sont sournois, mais néanmoins, le Bamileke, sa qualité, c'est qu'il est fidèle. Bon, je ne sais pas si la nouvelle génération, c'est trop ça, mais je pense toujours. Mais par rapport aux autres tribus, non, on est plus fidèles. Les Bamileke sont plus fidèles. Oui, on est plus fidèles. Je te remercie. D'accord. Je te remercie. Tu es de quelle région au Cameroun? Ouest. Quelle région, quel village à l'Ouest? Bafang. Bafang, ok. Comment est-ce qu'on dit bonjour en Bafang? Vous allez. Je n'ai pas suivi. Vous allez. Bon, nous voulons savoir, et nos internautes aussi, selon toi, quelle est la tribu la plus fidèle au Cameroun? Chez nous, les Bamileke. Les Bamileke. Oui, et pourquoi tu penses que ce sont les Bamileke? Je dirais que bon, chez nous, il y a une telle franchise. Et bon, on prend tout au sérieux au fait, malgré qu'il y a des cas d'exception. Mais en généralité, chez nous, je pense bien que c'est un tribut où on peut trouver vraiment. Les femmes fidèles. Les femmes fidèles. Les hommes fidèles. Justement. Et beaucoup de personnes disent que les Bamileke sont plutôt cachotiers, sournois, ils font dans l'obscurité pour que les gens ne voient pas. Mais qu'en réalité, c'est la sournoisie. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des cas d'exception. Mais de manière générale, je pense bien que ils sont fidèles. Non, de manière générale, pour toi, les Bamileke, c'est fidèles. Justement. Je te remercie. Tu es de quelle région au Cameroun? Non, je suis de l'Ouest. Plus précisément? Je viens de la Ménois, plus précisément. Comment est-ce qu'on dit bonjour en Tchad?
On dit bonjour en chang, même certainement. Ou aloka. Ou aloka. Alors, nous voulons savoir, et nos internautes aussi, selon toi, quelle est la tribu la plus fidèle au Cameroun? La tribu la plus fidèle. Bon, moi je dirais ma tribu. Bon, je sais pas. Et pourquoi dans quel ça? Sens bon. Fidélité, c'est déjà. Est-ce que la tribu là, on retrouve beaucoup plus d'hommes fidèles, de femmes fidèles au Cameroun? Ah oui, 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 parce que chez nous, nous on respecte beaucoup les femmes d'abord. Oui. Oui, et nos femmes aussi sont respectueuses avec leur mari. Avec leur mari. Oui, d'où la fidélité en fait. Donc tu supposes que ce sont les Tiang ou bien les Bamileke en général? Généralement les Bamileke, plus beaucoup précisément de les... Que, beaucoup de personnes disent que les Bamileke sont sournois, ils le font dans l'obscurité. Pourtant les autres mettent seulement aux yeux du monde ce qu'ils font. Donc en réalité ce ne sont pas seulement les Bamileke qui sont fidèles. Pour moi, ce sont les Bamileke qui sont plus fidèles. Oui, je ne refuse pas que d'autres peuvent aussi être fidèles, mais pour moi, les Bamileke sont les plus fidèles. Je te remercie. Merci également. Yo, les amis! Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Même si elle ne vous a pas plu, je ne cesserai pas de vous le dire. Laissez en commentaire toute imperfection que vous avez rencontrée au cours de cette vidéo. Vous aussi, vous pouvez proposer un sujet que nous allons développer dans nos prochaines vidéos. Et nous pouvons même venir dans votre quartier avec vous réaliser cette vidéo. Nous vous remercions et à très bientôt pour une... La voix des sans-voix, l'éclaireur de conscience africaine.